Merci à tous de nous rejoindre pour cette édition de Province. La matinée de ce jeudi à Bukavu, Goma et Kalemie étaient perturbées par les manifestations des jeunes et militants de l'UNC. Ces derniers réclament l'acquittement de Vital Kamerhe. Ils ont barricadé les routes de ces villes avec des pierres et aussi des pneus ont été brûlés pour manifester leur mécontentement. Il a fallu l'intervention de la police pour disperser les manifestants. À signaler que ces manifestations se sont faites ce jeudi 4 mars, date marquant 62 ans de la naissance du président national de l'UNC, condamné à 20 ans de prison au premier degré pour détournement des fonds au projet de 100 jours du chef de l'État. Ça, c'est le commencement parce qu'on va faire beaucoup de choses de graves si Kamerhe n'est pas libéré. Nous avons besoin que Kamerhe soit libéré. Comment vous avez procédé? Vous avez commencé par...